Julia Quinn.
sorti la première saison, l'histoire de Daphné et le Duc. Alors, c'était un bon démarrage, je vais pas vous mentir. On découvrait l'univers, les personnalités un peu atypiques, différentes, qui composent l'univers Bridgerton. C'était vraiment chouette pour le coup. J'ai beaucoup aimé. Il y a eu ensuite la saison 2, qui étonnamment m'a laissé un peu sur ma faim. Alors, j'adore serait basé sur Colin. Et c'est là où on va en venir. Colin, l'histoire de Colin, c'est vraiment un friends to lovers, d'amis à amants. Et en fait, en face de la maison de la famille Bridgerton vit les Featherington. Et Louise Bridgerton est très amie avec Penelope Featherington. Attendez, je suis en train de me casser le pied là. J'ai fait beaucoup de voyages dans le monde, l'art de la séduction, voilà quoi.
Société et que le mari soit rebuté genre ah non que une
qu'il y ait du pouvoir, ça lui fasse peur. Donc, je peux comprendre un peu, je m'identifie pas mal à Pénélope. Le problème, c'est que le Colin, là, il est amoureux de Pénélope. Ouais. Il déteste Lady Whistledown et il veut la détruire parce que elle a dit des choses sur sa famille. Voilà quoi. Elle a mis ses deux sœurs dans des situations assez compromettantes avec les ragots qu'elle a pu raconter. Il veut sa peau. Et à la fin des 4 premiers épisodes de la saison 3, on a la fameuse scène du carrosse. Voilà. Et quand ils arrivent devant la maison de Colin, Colin lui dit, bah tu viens avec moi. Il dit, non mais ta famille va nous voir, elle va revenir avec toi. Et lui dit, bon sang, bonsoir. Bon, je vous traduis, bon sang, bonsoir. Pénélope Fenerickton, est-ce que tu vas finir par m'épouser ou pas? Sa vie, enfin, je trouvais que c'était un bon arc. Lors
Dans
J'adore.